on sort premier. Et c'est très important pour nous. Et c'est surtout grâce à une équipe dynamique qui s'est formée autour d'un projet qui a été travaillé et qui continuera donc à travailler. On continuera à travailler, à œuvrer cette semaine dans l'attente donc du deuxième tour. Alors justement, ce deuxième tour, il y a un troisième homme qui a dit qu'il ne ferait pas d'union, Michel Frassat. Qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième tour ? Déjà, on va voir dans quelles conditions, donc si déjà il est maintenu, et puis de voir dans quelles conditions il sera maintenu. Ensuite, la proclamation des résultats étant très très récente, puisqu'elle date de quelques minutes à peine. Je vous disais, on est une équipe soudée, on est une équipe unie, donc on va en discuter. On a un électorat de personnes âgées, hein, beaucoup, et on a bien vu qu'ils ne sont pas venus, quoi. La plupart ne sont pas venus voter. On a, pour vous donner un ordre d'idée, 40 procurations, donc des personnes qui avaient des procurations qui ne sont pas venues voter. Voilà, donc on va se reprendre. Je ne suis pas inquiet. Deuxième tour, vous êtes confiant ? Oui, tout à fait. Franchement, oui.